السلام عليكم. اليوم ما حبيت نقدم لكم تجربة رائدة ورائعة تمت في ولاية الصيف بين شركة ألمانية وشركة نتاع جمع نفايات بولاية الصيف، شركة إيكوسيت. إذا هذه التجربة الرائدة في ميدان استرجاع نفايات وتثمينها، يعني فيها زوج مراحل، واللي يعني التجربة هذه دامت 5 سنوات وأعطت نتائج غير مسبوقة في جمع النفايات وفرزها وكذلك تثمينها بإعادة استعمالها لإنتاج مواد ذات ثمن إذن، وبمشاركة الشباب وسكان ولاية الصيف. إذن الفيديو هذا هو بالفرنسية ودرت له ترجمة أوتوماتيكية، لكن الترجمة هذيك رديئة. إذن نعطيكم لمن يلقى صعوبة في متابعة الفيديو هذا، نعطيكم الفحوى نتاع الفيديو هذا اللي يأكد على القيام بهذه العملية تاع الشراكة مع ألمانيا في فرز ورسكالة النفايات وتثمينها، إذا خاصة البلاستيك والمطاط، واللي هذه التجربة لابد من تعميمها في ولايات أخرى. إذا بدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا الفيديو، والسلام عليكم. Pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, ainsi qu'en partenariat avec le ministère de l'Environnement algérien, le projet FILREC a renforcé les chaînes de valeur dans le cadre de la gestion des déchets en Algérie. Durant 5 ans, de 2018 à 2022, dans le cadre de 3 composantes, des résultats satisfaisants ont pu être accomplis. À côté des efforts de l'opérationnalisation du dispositif ECOGEM, une chaîne de valeur en matière de recyclage de PET a vu le jour et le projet a proposé des dispositifs réglementaires pour instaurer l'organisation de la chaîne de valeur des pneus usagés. L'initiative FILREC a aussi fait grandement avancer la filière de traitement des pneus usagés, la formation des parties prenantes, la création d'une plateforme internet et la mise au point d'un projet de décret permet maintenant le développement de la responsabilité élargie du producteur des pneumatiques en Algérie. كما ساهمت الفكرة هذه في نشر الوعي للسكان وثقافة رمي النفايات وفرزها خاصة البلاستيكية، les objectifs ont été fixés dès le début et ont été réalisés et atteints d'une manière appréciable. Le projet nous a permis d'initier un cadre réglementaire permettant la création d'un éco-organisme pour la gestion des déchets d'emballage et des pneumatiques usagés. Maintenant que nous nous sommes appropriés de savoir-faire en matière de montage et d'organisation des filières de valorisation et de recyclage des déchets, nous pouvons dupliquer l'expérience de la wilaya de Sétif pour d'autres wilayas, d'autres activités et d'autres projets.
Grâce à l'initiative du projet FILREC, la GIZ, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, a pu prouver la faisabilité d'une filière de recyclage d'emballage en Algérie. La chaîne de valeur du recyclage du plastique a été démontrée dans la wilaya de Sétif avec un service efficace auprès de plus de 100 000 habitants. Les bouteilles sont transformées en fibres polaires et en oreillers dans une usine au sud de Sétif. La généralisation dans toute l'Algérie est maintenant possible.